Le Chili est toujours ravagé par d'importants incendies qui ont déjà détruit près d'un demi-million d'hectares. Les autorités parlent du pire désastre forestier de l'histoire du pays. Des milliers de pompiers et de soldats luttent sans relâche pour éteindre les flammes. Ils sont épaulés par des équipes venues d'Argentine, d'Espagne ou de France. Sur la centaine de feux recensés dans le centre et le sud du Chili, la moitié sont toujours hors de contrôle. Ils sont attisés par le vent, la sécheresse et de fortes chaleurs. Ces feux touchent principalement des zones rurales, détruisant le bétail, les cultures et les maisons d'agriculteurs. Le bilan, à ce stade, est de 11 morts. Par ailleurs, la police a arrêté une trentaine de personnes soupçonnées d'être à l'origine de certains incendies.